Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Bon, en attendant Sterling, je vais essayer d'appeler le président et on va voir un peu ce que ça donne. Toujours en retard celui-ci, hein. En espérant que le président soit présent. C'est bizarre cette tempête, ça présage rien de bon. Oui, allô ? Hey Cooper, je ne retrouvais pas mes lacets. Oui, bah il faut faire vite, hein, il faut faire vite, je suis à l'abri là. Il pleut dehors. Oui, 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 il pleut énormément. Mais oui, bah je suis à l'abri dans le garage, en face, voyons. Dans le garage, bah j'y cours, j'y cours. Venez vite, Sterling. Mais vous avez vu ce temps, tiens, Cooper. Vous m'entendez bien, Sterling, tout va bien, cette oui, fois-ci. Et vous de même. Ah, c'est magnifique, très belle corde vocale. Eh bah écoutez, merci mon cher Sterling, très belle corde vocale pour vous aussi. Avez-vous le numéro de l'huissier? On avait rendez-vous d'ailleurs. Bon, venez. Beaucoup de questions, mais peu de réponses, Sterling. Oui, trop de questions, il faut que je. Courez Sterling, courez! Reste toujours impressionnant Sterling, toujours impressionnant. De temps, voilà. Oui, excusez-moi Sterling, j'avais oublié ce tic. Allez, direction le commissariat, hein. Ouais, normalement je devrais pouvoir m'y retrouver, je commence à connaître la ville. Très bel hommage, au demeurant. Oui. Un peu trop. Un peu trop bruyant. Un peu trop belle, un peu trop beau. Allez, faites vite Sterling, il faut se mettre à l'abri. Oui, je ne sais guère si j'ai un parapluie. Venez Sterling, venez, on boit ça après Sterling. Oh mon dieu Sterling, venez à l'abri Sterling. Eh ben dites donc, attendez, je m'y prends deux fois. Non, c'est bon. Bon, avez-vous le numéro de l'huissier? Alors, étrangement, c'est l'huissier qui a donné. Oui, c'est très étrange ça Sterling. Avez-vous un numéro à contacter? Je vais regarder mon téléphone. Oh, le rendez-vous est au gouvernement. Mets le gouvernement sur la carte, s'il te plaît Sterling. Mais c'est loin. Je vais être trempé. Il faut faire vite Sterling, s'il vous plaît. Ah bah ils sont là, bah oui mais c'est fermé, c'est bon, c'est ouvert Sterling. Bonjour. Eh ben, quel temps. Bonjour. Un temps à moucheter les mouchetons. Comment allez-vous monsieur? Oh ça peut aller, et vous monsieur? On fait avec. Monsieur le juge Rossimlov. Ah, vous êtes le juge. Ah bah très intéressant, très ravi de vous rencontrer monsieur. Très ravi de vous rencontrer Sterling et Cooper, avocat au Grand Barreau monsieur. C'est vraiment un plaisir, on a entendu beaucoup de parler de vous mais on vous a très peu vu. Et on va pouvoir parler... de loi, parce que c'est la loi qui concerne notre affaire. La loi, monsieur, la loi. Et croyez-moi, la loi, on la connaît, monsieur. Nous connaissons la loi, monsieur. Je vous rassure, la loi, je la connais aussi, étant donné que j'ai participé à ça. Bah, vous êtes juge. Bah, il est vrai, c'est ça. Voilà. Voilà, donc, vous êtes juge, tout simplement, bien, monsieur, vous êtes juge. Bien que la loi, vous la connaissez, monsieur. Mon cher Sterling, est-ce qu'il serait pas judicieux d'appeler peut-être notre client? Tout à fait, je m'en occupe incessamment sous peu, si vous me permettez, je vais poser ma mallette ici même. Monsieur McCormack, s'il vous plaît, monsieur Sterling. Oui, je me rappelle. J'ai pas son numéro. Il a notre numéro. Il a c'est lui qui est je m'en occupe, je vois que... Occupe-toi, il a noté. Vous avez un peu de mal quand même, monsieur. La technologie, vous savez, nous connaissons la loi, mais la technologie va tellement vite. Mais pourtant, vous avez quand même acheté un iPhone 10, quoi. Ben, c'est bien ça le problème. Le conseiller nous a pas très bien conseillé. Bon, le client n'est pas là, mais nous pouvons quand même prendre à charge le dossier, évidemment. Oui, oui, nous oui, avons signé avec lui. Nous avons connaissance du dossier intégral. Avons-nous un endroit pour peut-être nous isoler ou attendons-nous oui, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on attend quelqu'un en plus? Bah, techniquement, on attend monsieur le président, mais. Ah, monsieur le président, oui. Et la partie adverse, peut-être, monsieur. Oui, ainsi que maître Amadeus, oui. Oui, voilà. Maître Amadeus, on avait parlé d'une femme, Harley quelque... Maître oui, madame, Harley. Mais madame Harley est indisponible, je pense. Cette dernière est en voyage d'affaires. Comme c'est étrange, hein, mon cher Sterling, oui, comme c'est étrange. Je pense que nous pouvons déjà parler avec monsieur Sterling et monsieur Cooper de l'affaire à venir, peut-être. Mais est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'attendre le président pour qu'il ait conscience et qu'on évite les répétitions? Ouais, c'est totalement ça. C'est la première fois que je vois Los Santos cette nuit, hein. Oui. C'est une belle pluie. C'est une... Ah bah, nous connaissons la loi et c'est une belle pluie, monsieur. C'est une belle pluie. Hier à la météo, ils avaient prévu une tempête extravagante. J'ai même, pour être très franc avec vous, du mal à vous entendre, tellement les grêlons frappent sur les carreaux. Ah
oui, regardez toutes les petites bases que j'ai là maintenant. Oui, j'ai pas de parapluie. Oui, mais je sais bien, mon petit Sterling, je sais bien. Il est vrai que normalement, d'un point de vue juridique, je n'ai en aucun cas besoin d'intervention du président, mais dans cette affaire-là. Il est intégré à l'affaire, peut-on dire. Et intégriste, mon cher Sterling, et intégriste. Permettez-moi de manger quelques nuggets qui traînent dans mon porte-case. Très bons nuggets. Au demeurant. Il y avait un petit poil dans votre nugget quand même. C'est pas grave, monsieur, vous savez, nous connaissons la loi, un poil n'a jamais tué personne. Ouais, mais d'un point de vue hygiène quand même. C'était bon, j'avais faim. Alors, je me permets de faire une petite photo pour mémoriser les visages, monsieur, excusez-moi. Voilà, hop, désolé pour le flash. Et voilà. Comme ça, non, c'est pour mémoriser les visages. Oui, je comprends parfaitement, oui. Il a une mémoire photogénique, comme on dit. C'est un bon président que nous avons là, mais je vous propose de commencer sans lui finalement. Oui. Allons-y, allons commencer. Voilà, sans c'est un bon président, mais il faut y aller là. Je n'ai pas de nouvelles de Maître Amadeus, je pense qu'il devrait pas tarder. Oui, bah de toute façon, un avocat qui n'est pas là est un avocat qui perd une affaire. Bon, asseyez-vous, monsieur. On va rester debout, monsieur, pour le bien de nos jambes et de nos tontons et pour le bien de la loi avant tout. Nous sommes ici réunis, messieurs, concernant l'affaire McCormack. Si vous me permettez de résumer, et si nous avons bien saisi toutes les... Merci Dark Viper pour ton 29e mois et Evil Blackside pour le 31e. Notre client se retrouve démuni de ses propres locaux, ainsi que de l'entreprise dont il est le bénéficiaire, n'est-ce pas? D'un point de vue, du moins de ce que j'ai compris, j'attends toujours une copie en fait du contrat de vente avec nous le gouvernement. Nous l'avons. Est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail si possible? Bien sûr, nous l'avons avec signature. Nous avons ce document qui atteste. Par contre, en échange, ça veut aussi dire que la partie adverse ainsi que l'avocate Harley vous a muni de faux papiers, de faux documents, et monsieur le juge, vous comprendrez que c'est très dangereux, ce genre de comportement, pour une avocat. Techniquement, il n'y a pas eu de faux documents, c'est un contrat qui a été signé avec Drift Motors. Donc, La loi stipule que tout contrat adjacent au contrat du bénéficiaire est caduque, monsieur. Bien sûr. Depuis quand existe-t-il des contrats contradictoires? Il ne peut y en avoir qu'un, monsieur. Actuellement, d'un point de vue juridique, et de l'entreprise Drift Motors, pour moi l'entreprise est totalement le propriétaire d'entreprise est totalement nul, c'est à dire que et pour le moment il est inexistant, on ne connaît pas qui est le propriétaire du Drift Motors. Envoyez le contrat, monsieur, s'il vous plaît, au juge. Quel est votre numéro de mail, monsieur? Bon bah j'ai un petit jugement aussi ce soir, ce que je vois. Avez-vous besoin d'un bon avocat, monsieur? Je ne pense pas. Nous connaissons la loi, monsieur. Je vais pas vous dire que je viens d'être informé il y a 5 minutes du jour. Nous sommes les meilleurs avocats de la ville. Bah, je ne doute pas de vos capacités si vous êtes au barreau. Ne doutez pas. Oh, nous sommes au gros barreau, monsieur. Nous sommes au gros barreau de la justice. Voilà, monsieur, je viens de vous envoyer à l'instant même une copie de l'acte de cessation, monsieur. Signé par les mains même du président de la République. Alors, permettez-moi de lire. Los Santos gouvernement, contrat de la République de Los Santos. Oui, je sais pas ce que je raconte. Donc comme vous pouvez le voir, monsieur le président s'engage à vendre le Green Motors, composé de un établissement situé à l'est du poste de police de 0803-2021 à monsieur McCormack, au prix de $1,500,000. Le patron se doit d'effectuer des prix sans inflation et n'a aucun cas le droit de changer ses prix vis-à-vis du client. Le gouvernement se réserve le droit de récupérer l'entreprise uniquement si le patron est poursuivi en justice pour des crimes de catégorie 2 ou plus. La nomination d'un co-gérant est obligatoire sous peine en cas de décès du propriétaire, sauf en cas de testament, l'entreprise... répartition des parts, et là on parle bien des parts d'entreprise, 100% monsieur Neil McCormack, signé par les deux prestataires. Ok, dans ce cas-là, j'ai ma première réponse, c'est-à-dire que effectivement l'entreprise Green Motors, maintenant Drift Motors, appartient effectivement à monsieur McCormack. C'est une affaire classée, passez une bonne journée. Allez, bonne soirée, monsieur. Négatif, monsieur, l'affaire n'est pas finie. Je vous demande l'affaire n'est pas finie, Sterling, revenons. Ça m'étonne d'ailleurs. Oui, c'est très étonnant, hein, suite à un papier gouvernemental. Il est vrai, mais le souci, c'est qu'actuellement, on a... Il n'y a pas de souci, monsieur, nous connaissons la loi. Vous connaissez la loi, n'est-ce oui. pas? Oui, oui, il n'y a pas de souci, je vous l'assure. Le principe du contrat, monsieur, oui, bien sûr. Le contrat stipule que l'annulation d'un co-gérant est obligatoire. Et donc chose qui a été faite par monsieur McCormack. Co-gérant n'est pas propriétaire, monsieur. Co-gérant n'est pas propriétaire. Mais laissez-moi terminer. Chose qui a été faite par monsieur McCormack, il a effectivement désigné un co-gérant qui est son frère, je crois. Oui, et le souci, c'est que le fait de désigner un co-gérant stipule clairement que les deux
pour le moment gérant et co-gérant, doivent être totalement impliqués dans la gestion de l'entreprise, chose qui n'est pas actuellement due. Donc c'est peut-être pour cela. Oui, non, mais que... Non. Quel est le problème ? Là, actuellement, pour vous dire en gros, vous avez résolu un tiers de l'affaire. Oui, alors, c'est déjà très bien. Nous pouvons passer une bonne journée. C'est déjà très bien. Dites-nous ce qu'il en est, monsieur. Dites-nous ce qu'il en est. Bah actuellement nous avons un souci, c'est-à-dire là la propriété, ok la propriété c'est bon, maintenant on a un autre mais nous souci. On est engagé pour ça, on est engagé pour la propriété. Permettez-moi du mot monsieur le juge, mais j'ai bien l'impression, et excusez-moi de ce mot très fort que je vais employer, mais j'ai bien l'impression que vous divaguez mot... monsieur le juge, vous divaguez. Désolé de ces propos C'est peut-être la tempête monsieur. Très choquant. Non, négatif, je vous rappelle que j'ai plusieurs dossiers et je vous rappelle que nous connaissons la même affaire. Alors expliquez-nous quel est le problème. Le problème, nous, moi je vais vous l'expliquer monsieur, j'ai été engagé parce que mon client, et là je vais peser... Monsieur McCormick, propriétaire à 100%. On veut lui prendre les parts de l'entreprise. On veut lui prendre l'entreprise, monsieur. On lui a dit que cette entreprise n'est pas son entreprise, monsieur. Permettez-moi de vous couper, je vous demande quelque chose. Vous avez été recruté, enfin vous avez été... vous avez signé un contrat par rapport à la propriété d'entreprise. Je représente monsieur McCormick, monsieur. Mais uniquement par rapport à la propriété d'entreprise. Je représente McCormick dans toutes ses affaires, monsieur. Ok, dans ce cas-là, vous allez rester ici le temps que je finisse les trois affaires qui regroupent, monsieur. Oui, oui, mais faisons les affaires en ordre tout de même, monsieur. Hein, c'est... Bah, dans ce donc, cas, expliquez-moi quel est le problème, la suite du problème. Là. Monsieur le juge, vous avez l'air dépassé, monsieur le juge. Non, mais actuellement, je vous l'accorde, vous avez effectivement extrêmement bien géré l'affaire de la propriété. On a juste votre papier. Coup, oui, bah, c'est un papier gouvernemental. Mais c'est un papier du gouvernement qui connaît la loi. C'est ça. Nous connaissons. Donc, je n'ai pas mon mot à dire sur la propriété. Là, le souci, c'est que j'ai des mots à dire sur la gérance. On va dire plus la gestion de l'entreprise. Monsieur, quelle est la plainte envers mon client, monsieur. C'est les salariés, du coup les tiers, ou comme vous le préférez, les shareholders, qui se plaignent totalement finalement de la gestion du... Mais êtes-vous au courant que justement, le deuxième client qui n'est pas le nôtre, qui est pris par le parti adverse, a volé de l'argent dans les caisses, bien évidemment détournement de fonds aux dépens du propriétaire à 100%, monsieur McCormack. Juste par pur hasard, à combien s'élève la somme volée ? Oh lolololol, je n'ose employer... Monsieur, d'une quantité effarante, il s'agit de 1000... à peu près 1000 millions. Oula. Non, monsieur Sterling, vous avez mal compris, mais il s'agissait, semble-t-il, de mémoire, monsieur, de plus de 150 000 dollars. Oui, à peu près, oui. Plus de 150. J'ai pu discuter avec monsieur Ozaru au sujet de ces 150 000. Il m'a assuré avec la plus grande sincérité qu'il avait effectivement remboursé monsieur McCormack de ce prêt. Non, la sincérité n'est pas la loi, monsieur. La sincérité n'a pas sa place ici, monsieur. On veut des preuves, monsieur. Je peux lui demander un papier qui stipule comme quoi il a bien remboursé monsieur McCormack. Ce n'est pas une preuve, voyons, monsieur. McCormack m'a certifié n'avoir rien reçu. Monsieur Montmirail, s'il s'avère vrai qu'ils ont effectivement pris 150 000 dollars, il s'avère vrai. L'autorisation de monsieur McCormack, effectivement, c'est un préjudice grave. Et voilà, voilà. Affaire résolue. Notre client pourra prouver les détournements, monsieur, vu que tout est dans les fiches d'entreprise. Ah oui. Et tout est numérisé, monsieur. Bien joué, Sterling. J'avais oublié. Oui, de rien. Non, j'ai travaillé le dossier. Bien joué, Sterling. Les preuves pourront être présentées. Nous avons des preuves, messieurs. Alors, j'espère que vos clients en ont, parce que ça va swinguer. Croyez-moi. Et quand bien même, monsieur le juge, et ça, vous serez d'accord, je pense, avec nous, les meilleurs avocats au gros barreau, quand bien même on vole, évidemment, co-gérant ou non, dans les caisses de la boîte du gérant sans son autorisation, ça reste un préjudice terrible. Et monsieur l'huissier, vous qui êtes escroc de père en fils, vous devriez aussi être d'accord avec nous sur ce point. Je vais quand même vous demander On parle d'un huissier, monsieur. On parle d'un huissier, monsieur le juge. Les mots sont forts, mais les mots sont réalistes, monsieur. Nous n'avons rien, évidemment, contre l'huissier, mais l'huissier vient de vous certifier, monsieur le juge, devant vous et devant nous-mêmes. L'huissier, ici présent, vient de nous certifier qu'effectivement, 150 000 dollars avaient été volés dans la caisse, monsieur le juge. N'oubliez jamais ces paroles. On parle de vol, monsieur. Emprunté. Emprunté ou non, sans autorisation du propriétaire, c'est un vol, monsieur. C'est un vol, monsieur. Vous n'avez en aucun cas, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucun cas autorité a été moins dans l'affaire. Vous devez présenter des papiers comme quoi, oui, il y a eu un retrait, non, il n'y a pas eu de retrait, ceci, cela. En aucun cas, vous pouvez témoigner de sincérité envers un membre de la partie adverse, voyez-vous. Êtes-vous témoin dans cette affaire, monsieur ? Je ne sais guère. Non, je ne peux pas être témoin, voyons. Voilà, donc vous êtes parti actif et donc vous ne pouvez pas prendre la défense comme ça ouvertement. Vous ne pouvez pas. Voie de sincérité, monsieur, ça, on connaît la loi, voyez-vous. Ça ne fait pas partie de la loi, la sincérité.
Et je pense que monsieur le juge a été témoin de cette situation plus ou moins bouleversante. Dans tous les cas, je vais relancer le dossier avec une requalification des faits en vol. Voilà, détournement. Donc, je pense que monsieur le juge, deux tiers de l'affaire a été accompli. Quel est ce dernier tiers? Troisième affaire, monsieur. Troisième affaire, on s'en occupe. La troisième affaire, c'est qu'il y a, il y a du détournement de fonds, mais d'un point de vue du banquier, monsieur McCormack. Alors, il a effectivement sorti 1 300 000 dollars pour les investir dans la Maison. Et c'est ce qu'on appelle clairement du détournement de fonds. Dans la, pardon? Enfin, dans la banque, excusez-moi. Dans sa propre banque, si je peux me permettre. Et... Monsieur, où voulez-vous que l'argent soit mis en dehors que d'une banque? La banque est faite pour stocker l'argent. Non, mais je ne dis pas qu'il l'a mis dans un compte de l'entreprise, un compte bancaire d'entreprise. Je dis qu'il l'a investi en tant que capital propre dans la banque. Et bien justement, monsieur, c'est un investissement, ce n'est pas un vol, monsieur. Les propriétaires, l'argent lui revient, monsieur, il ne peut pas détourner son propre argent, monsieur, c'est la loi. Monsieur, ça n'a pas de sens, monsieur le juge. Monsieur Maître Sterling et Maître Cooper, écoutez, monsieur. Il est vrai qu'il s'agit de son argent. Il est vrai qu'il possède exactement 100% des parts de l'entreprise. Voilà, il c'est totalement veut, vrai. Oui, mais oui. Sauf que la loi encadre extrêmement bien le droit des salariés. Oui, mais justement, je suis salarié aussi, monsieur, et j'ai mon propre cabinet. C'est son argent. Il peut monter plusieurs empires avec un empire, monsieur. Ce n'est pas hors la loi. S'il est capable de, non, s'il est capable. Les salariés ne n'ont pas été payés. Messieurs, dans ce cas-là, on appelle ça une fraude générale. Enfin, on appelle ça une sanction généralisée qui est totalement inapplicable d'un point de vue de la loi. C'est pas une sanction généralisée, monsieur, vu qu'il avait pas l'argent pour les payer. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, maître? Est-ce qu'il a mis son argent en sécurité que... Monsieur, écoutez-moi, maître juge. Votre honneur, écoutez-moi. Vous m'écoutez, votre honneur? Je vous écoute, maître. Écoutez-le, votre honneur, s'il vous plaît, nous connaissons. Votre honneur, écoutez-moi. À quel moment, lorsque vous voyez qu'il y a des détournements d'argent dans votre entreprise, à quel moment vous vous dites je vais laisser mon argent comme ça? Non, excusez-moi, moi, le premier, je prends l'argent et je le mets en sécurité. Voilà, monsieur, voilà ce que j'en pense et voilà ce que mon client a fait et il est dans son droit le plus élémentaire, monsieur. Votre honneur, je me permets. S'il est capable de justifier le virement de cette somme gigantesque d'un point de vue de la sécurité de ses comptes et de ses fonds, je vous l'accorde. Mais pour le moment, je n'ai pas de papier stipulant. Votre honneur, si je puis me permettre, écoutez-moi, votre honneur. Vous m'écoutez, votre honneur? Écoutez-le, s'il vous plaît. Nous connaissons la loi, écoutez-moi, votre honneur. Il s'est passé un problème qui a été enclenché par une première roue dentée, si vous voyez ce que je veux dire. La première très roue dentée... Très belle métaphore. Merci, Sterling. Les mots sont durs, mais les mots sont mais quand les même... Mots sont justes. Voilà, les mots sont la loi. Donc, votre honneur, voilà ce qui s'est passé. Cette première roue dentée a été basée sur des déclarations totalement fausses de la part de des autres adversaires, si je puis me permettre de les appeler comme ça. Voilà, des magouilleurs. Merci Sterling. L'avocate étant complice de cette magouille, vous avez donc eu affaire à une terrible histoire en trois parties. Les deux premières parties ont donc été résolues en l'honneur de notre client, avec évidemment côté favorable, escroquerie, n'est-ce pas, et j'en passe. Comment pouvez-vous continuer, votre honneur, à rester sur cette troisième partie, sachant que les deux premières parties... Mais oui, sont liées. Sont liées. Je ne fais que mon travail, c'est-à-dire appliquer la loi et d'avoir un avis totalement neutre d'un point de vue des deux camps. Je suis navré, maître. Mais actuellement, je vous l'accorde, vous gagnez 2 points sur 3, mais le troisième, pour le moment, je ne conclue pas en votre faveur. Oui, non, mais... Comment vous pouvez... Non, mais monsieur, c'est du bon sens. Déjà, l'argent, il en fait ce qu'il veut. Encore une fois, il est propriétaire. S'il part du principe que c'est son bénéfice, vous savez ce qui peut lui arriver de pire, monsieur? C'est qu'il prenne tout l'argent de l'entreprise et que l'entreprise coule. Là, ça sera son problème, voyez-vous. Mais tant que ça coule à flot, l'argent de l'entreprise, il en fait ce qu'il veut. Et il était monsieur. Occupé de gérer cette affaire. Non, il la gère bien, il la gère bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il possède 100 parts de l'entreprise, que son entreprise est à lui, à son nom. Mais vu qu'il n'a pas eu l'avis, parce que bon, il l'a fait automatiquement, mais effectivement, il faut avoir un avis du syndicat de salariés. Même si ces derniers ne représentent absolument rien, ils peuvent être facilement remplacés. Est-ce qu'il y a un syndicat? Toute entreprise a un syndicat, donc. Monsieur le juge, puis-je vous poser une question d'homme à homme, en dehors du domaine professionnel? Monsieur le juge, vous aimez votre travail, vous estimez faire votre travail dans le chemin de la loi, monsieur le juge, dans la droititude. C'est bien cela. Dans ces cas-là, ce troisième point n'a même pas à être élucidé. 100% des parts sont à notre client, l'argent, il en fait ce qu'il veut. Et de plus, je me permets, votre honneur, s'il vous plaît, de rajouter que cet argent a été investi pour le bien du gouvernement et de la ville à travers une banque, monsieur. Là, on ne parle pas d'investissement dans des armes, dans de la drogue, là où les jeunes de cette ville peuvent sombrer. On parle d'argent
bien investi, monsieur. Donc, je pense que ce troisième point n'a même pas lieu d'être, monsieur le juge. Je suis navré. Soyez navré. Soyez navré parce que c'est navrant, monsieur. C'est navrant, monsieur. Maître. À ma gauche, c'est monsieur. Maître Sterling, si je dis pas de bêtises. Maître Sterling. Sterling Cooper, monsieur. Voilà. Ok, bah, Maître Sterling Cooper, je ne non, vois toujours c'est pas moi, Cooper. Avec le. Non, Cooper. Bah, bon, maître. Je suis Cooper, je suis Cooper, monsieur. Je suis le maître. Bon, maître Cooper, je ne vois toujours pas le rapport avec le fait. Enfin, avec le questionnement sur. Est-ce que j'aime. Enfin, est-ce que je fais tout droit d'un point de vue de la juridiction? Non, en gros, je suis en train de vous dire, monsieur le juge, avec tout le respect que j'ai pour vous, faites preuve, s'il vous plaît, dans cette histoire, de bon sens. Je ne sais pas, je doute, bah, je doute, monsieur le juge, que quelqu'un vous aurait payé. J'ai. Nous sommes bien d'accord. On pose ouvertement la question. Je vous demanderai quand même de ne pas porter d'accusation frauduleuse. Nous ne portons rien, monsieur le juge, tout de même, s'il vous plaît, nous ne nous permettrons pas. C'était une question d'homme à homme, tout simplement. Monsieur, vous voulez que j'apporte un élément de réponse? Et d'ailleurs, que j'apporte l'élément de réponse. Allez-y. Est-ce que cette entreprise a un syndicat? Est-ce qu'elle est syndiquée? Et représentée par qui, nous aimerions le savoir, monsieur? Techniquement, il faudrait s'enseigner sur l'affaire. Voilà. Et est-ce que l'entreprise comporte plus de 30 ou 40 employés? Vous confondez un peu avec la juridiction française, à mon avis. Faites attention. Alors, plus de 7 employés. Faites extrêmement attention avec... Plus de 6 employés. Vous avez fait du droit français, monsieur? Oui, il a une faute. Faut bien commencer quelque part, monsieur le juge, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez? Écoutez... Sterling, continuez votre appel dehors, s'il vous plaît. Je vous rappelle demain. Je ne sais pas qui c'est. Et c'était peut-être le client. Oui, peut-être. Bah, va le rappeler dehors, s'il te plaît. Non, c'était Jin Ozuru. Mais là, encore une fois, je ne peux pas. Je vous donne certes deux points qui sont totalement à vous. C'est des preuves concrètes et totalement recevables auxquelles même le camp adverse ne pourra pas s'y opposer. Mais le dernier point, je suis obligé de recevoir l'avis de Maître Amadeus. En quoi il y a une infraction? En fait, elle est où l'infraction? Je ne la comprends pas, monsieur. Maître Amadeus, j'attends. Je ne peux pas vous donner tous les points. Maître Amadeus. Enfin, où est-il? J'attends Maître Amadeus pour avoir. Oui, on l'attend tous. Mais on l'attend tous. Et à défaut, monsieur le juge, est-ce que vous pensez qu'un maître sur son arbre perché, n'étant pas là à l'heure, est un maître sérieux? Voilà. Bah, est-ce que vous pensez qu'il prend l'affaire au sérieux, monsieur? Je vais reformuler l'affaire. Est-ce que vous pensez qu'un président qui nous a donné rendez-vous, qui ne s'est pas pointé à ce rendez-vous-là, le est un président sérieux? Le président est occupé. Il a des devoirs de président. Mais... Bah, c'est son devoir de président. Bon, il est vrai qu'il manque peut-être aussi un petit peu de sérieux, on va pas se mentir. Mais peu importe, nous sommes là, monsieur le juge. Vous avez une parole puissante, d'accord? Nous sommes là pour régler cette affaire, et monsieur le juge. Dans tous les cas, le procès portera la semaine prochaine, je dirais un bon mardi, sur cette affaire-là, mais actuellement... Non, mais quelle est la fraude, monsieur? Quel est le problème concernant notre client? Le troisième point, je n'ai toujours pas compris. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il y a une part syndicale dans l'entreprise, c'est pour ça que j'attends Maître Amadeus, qui effectivement ne me répond pas par message. On parle bien d'une part syndicale, donc un syndicat doit être monté et il doit y avoir des documents ultérieure à cette date, on est bien d'accord. Qu'on nous raconte pas que dans deux semaines, il y a un syndicat qui s'est fait entre temps, on est d'accord. Faut que le syndicat ait existé avant le litige, donc. Voilà, merci. Voilà, bah il n'existe pas. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat, donc monsieur le juge, s'il vous plaît. Ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors, maître, vous connaissez extrêmement bien la loi, je doute. Oui, nous connaissons la loi, monsieur. Ne doutez pas. Voilà, vous connaissez exactement la loi, vous savez très bien. Ne doutez pas. Je ne peux donner un avis favorable à vos trois requêtes sans avoir vu le deuxième parti. Qu'est-ce qu'il dit, Sterling? Je ne comprends pas. Monsieur le juge. Imaginez-vous. Monsieur le juge, vous allez faire que respecter la loi. On ne comprend pas. Non, mais je vais l'aider à comprendre. Imaginez-vous, je suis dans ma maison. Écoutez-moi, votre honneur. Vous devez m'écouter, votre honneur. Votre honneur, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai un salon de massage. Parce que je suis un très bon masseur, monsieur, c'est comme ça. J'ai trois clients avec moi. Je les masse, ils me donnent de l'argent. J'ai un employé, c'est ma secrétaire. Elle est secrétaire, elle s'appelle Sylvie, monsieur. Et il s'avère que les bénéfices de l'entreprise, je décide de les mettre dans mon compte en banque. Et voilà, hop, je les fais. Et Sylvie me dit, j'ai détourné de l'argent, monsieur, puis moi, je suis pas content. Et je lui dis, va te faire enculer, Sylvie. Je parle comme ça, je lui dis, non, madame, non, je refuse. Donc, l'argent, je le garde sur mon compte. Et il est où le problème? Bah, sauf que là, c'est pas représentatif de l'exemple. Oui, bon, mais vous remplacez le massage par des motos, monsieur. Non, mais encore une fois, c'est pas représentatif parce que là, vous avez confondu Sylvie avec plusieurs salariés. Je suis navré, mais encore une fois, vous voyez que vous ne représentez même pas tous les parties qui sont représentées dans cette affaire-là. Et fort heureusement, sachant que l'autre partie n'est que fulmination et vocifération. Encore une fois, je vous assure que je comprends totalement vos intérêts, je comprends le fait que actuellement votre client a des préjudices assez conséquents,
Mais tant que je n'ai pas reçu la deuxième. Et vous ne la recevrez pas, elle n'existe pas, monsieur, c'est une faute de preuve. Il n'y a pas lieu de garder cette troisième étape. Monsieur le juge, vous le savez. Maître, il y a deux camps dans le litige. Je dois donner la parole au deuxième camp. Il est où, là, le deuxième camp, là ? Il est où, le camp ? Commence à nous casser les couilles, ce deuxième camp, hein ? Si je peux... Désolé de ces propos forts, mais là, ça commence à chauffer. Le deuxième camp, à mon avis, il va venir ce soir, donc j'y pourrais. Il va venir ce soir. Non, mais c'était maintenant, le rendez-vous. Oui, c'était maintenant, c'était pas ce soir, c'est le problème. Monsieur, si on donne des rendez-vous... Monsieur, les absents ont toujours tort. Si on se donne rendez-vous et qu'ils ne sont même pas là pour représenter leurs clients, je suis désolé, monsieur le juge, si vous faites bien votre travail, vous devez nous donner raison et vous le savez très bien. Justement, maître, je fais extrêmement bien mon travail, je respecte mes procédures. Eh ben justement, la procédure fait qu'ils ne sont pas là, donc personne pour les défendre. Donc, si personne pour les défendre, le parti a tort. Il n'y a même pas de débat, oh là là. Il n'y a même pas de débat, de toute façon 100% des parts lui appartiennent, il fait ce qu'il veut de l'argent, non d'une pipe. C'est quoi ces ici? Actuellement, je peux écrire deux décrets en faveur de la propriété de l'entreprise. L'ouverture immédiate, enfin de la fin finalement, de la fermeture de l'entreprise pour M. McCormack. Mais je ne pourrais, pour le troisième point, attendre que la troisième partie. D'accord, bon, faites les deux décrets. Faites déjà deux décrets, c'est déjà ça de gagner pour notre client. Et puis la troisième, la loi parlera, ne vous en faites pas, nous connaissons la loi. C'est exactement ce que je vous dis depuis on va dire 20 minutes. Non, c'est ce que nous vous disons. Oui, c'est ce que tout le monde se dit. On se dit la même chose. Et d'ailleurs, je permettrai de dire que je pense, mon cher Sterling, que nous devrions nous retourner face aux parties adverses pour escroquerie et pour vol, évidemment. Et malversation d'utilisation de la loi. Et perversité aussi des papiers. Oui, perversité des papiers, c'est très grave, monsieur. C'est très grave, monsieur. C'est très grave et c'est puni par la loi. Ça, dans tous les cas, ce n'est pas de votre recours de... Si nous sommes avocats, nous pourrons porter plainte contre notre avocat, croyez-nous que c'est possible. Pour défendre notre client, notre client va porter plainte. Voilà, c'est votre client qui doit porter plainte, pas vous. Ça va se faire, vous en faites pas. Donc nous attendons vos deux décrets et puis nous pouvons quitter ce magnifique bureau, évidemment, en chaîne... importé, d'acheter, voilà, oui. Monsieur, n'oubliez pas qu'il y a eu faux et usage de faux sur la troisième partie, ne l'oubliez jamais. Et je connais 2-3 avocats qui ont rompu leur serment, mais je n'irai pas plus loin dans ces déclarations. Il y a des avocats, et encore plus des avocates, au gros barreau, mais c'est pas le gros barreau de la justice, monsieur. Voilà, si vous voulez mon avis... On va éviter quand même de tels propos, celui-là, Le barreau de la justice est impénétrable, monsieur, vous devriez le savoir. Oui, et pourtant, croyez-moi qu'il y en a qui pénètrent. Oui, le barreau de la justice est très dur, monsieur, sachez-le. Ça procure, si vous voulez mon avis, beaucoup de plaisir à certains. Je ne veux pas savoir. Procureur. Je ne souhaite Oui, bien sûr, Sterling, on a compris. Il a compris, je pense. Oui, on a compris, Sterling. Bon, je vous fais ça d'ici peu pour les décrets, je vous les envoie par mail, dans tous les cas. Soit à vous, soit directement à votre client. À mon avis, vous préférez que je les envoie à vous. Oui, envoyez à nous et à notre client. Nous et à notre client, monsieur. D'ailleurs, envoyez-nous aussi votre numéro, monsieur. Monsieur le juge, on a besoin de noter votre numéro. Oh là, dites donc, vous pouvez peut-être vous rasseoir... Oui, monsieur le juge, sacré paquet. Oui, c'est bien moi. Oui, monsieur le juge, c'est vous ? C'est bien moi. Très bien, je raccroche, monsieur le juge, c'est bien votre numéro. À 3. Ah ben, vous devez... C'est bien lui, Sterling. C'est pas grave. Bon, nous pouvons partir. Merci, monsieur le juge. Nous attendons les deux papiers. Merci de votre écoute, votre honneur. Voilà. Merci, monsieur l'huissier. Et merci, monsieur l'huissier, d'être vous-même. D'être huissier, voilà. Désolé, je vous remonte. Descendre de ce siège très confort. Très mal poli. On vous raccompagne quand même parce que vous ne pourrez pas sortir. Vous avez les clés, non ? Non. Nous n'avons pas les clés, monsieur. Nous n'avons que la loi entre nous. Je vous souhaite une... Oula, bah dites donc. Passez une bonne soirée, hein. Bonne soirée, messieurs. Au revoir. Nous avons beaucoup de chance. Ah bah oui, c'est toujours en deux temps. Oui, en deux temps. Nous avons beaucoup de chance qu'ils aient pas oublié le rendez-vous, hein, mon cher Sterling. Hein. Oui, tout à fait. Bon, par contre, je pense que le sérieux de l'équipe adverse a été montré. Hein. Oui, en 2-3 mouvements, on a balayé ça. En deux temps, deux trois temps. Hein. Ça a pas été... Et surtout qu'on a apporté aucune preuve sur le fait qu'ils aient détourné de l'argent et il a validé ça. Quoi. Parce que l'huissier, il a parlé pour nous, donc il est un peu court, l'huissier, si je veux mon avis. Oui, je note. Note donc mon avis. Tiens, mets au commissariat. Je mets. Aucun regret de m'être levé malgré cette tempête, mon petit Sterling. Oh, moi non. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir oublié mon parapluie. Oui, ça c'est regretté. Et regrettable, hein, mon petit Sterling. Hein. Trouver le parapluie, Cooper. Oui, range-le. Pour tout à l'heure. Oh la vache, Cooper. Dites donc, mais vous inquiétez pas, Sterling. J'ai contrôle total du véhicule. Oh oui, je vois ça. Et n'oublie pas qu'Effie va s'occuper du reste. Hein. Tu vois, Sterling, je pensais pas avoir autant de choses dans cette manette. Mais moi non plus, j'ai été très surpris, surtout les chariots. Je pensais pas les avoir pris.
Notre manière de marcher avec un parapluie est bizarre, Sterling. Oui, il est très... Oh bah dites donc. Oh bah dites donc, Oh bah dites donc, c'est pas possible. C'est une ville très occupée. Attendez, je vais essayer d'appeler l'avocate de la partie adverse. Oui. Bonsoir, monsieur, je peux vous aider ? Oui, bonsoir, monsieur, on peut vous aider ? Je suis policier, je peux vous aider ? Ah non, nous sommes avocats au gros barreau, monsieur. D'accord, mais vous faites quoi ici, dites-moi ? On sait plus ce qu'on fait ici, monsieur. On sait plus, on passe d'un coup téléphone. Et on passe... voilà, il y a une tempête. Okay. On est à l'abri, venez. Merci. On est à l'abri. Venez. Dites-moi, monsieur, en quoi peut-on vous aider ? Nous essayons de joindre une avocate. On s'en occupe à l'abri si ça ne vous gêne pas. Allez-y, faites à votre guise. Ça sonne, mais ça ne répond pas, Cooper. Est-ce que vous essayez de la joindre, peut-être ? Peut-être que... Attendez, ouais, j'ai une idée. C'est peut-être qu'elle dort, hein, Sterling, hein ? Ah oui, ou peut-être qu'elle a bloqué nos numéros. Oh bah dis donc, on peut bloquer des numéros, Sterling. C'est pas très professionnel de sa part, hein, surtout que ça loupe des rendez-vous tout de même. Monsieur, est-ce que vous pourriez appeler un numéro pour moi, s'il vous plaît ? C'est une avocate. Ouais, vous l'avez peut-être déjà, Madame Harley. Maître Harley. Ah, monsieur Sterling. Oui, bonjour, monsieur. Ça. Ah ouais, vous vous rappelez de moi ? Vous le connaissez, monsieur Sterling ? Je ne le reconnais pas, monsieur. Donne-moi un numéro, s'il vous plaît. C'est celui qui devait porter plainte contre le FBI et qui m'ont pas payé ma prime. Ah oui, c'était n'importe quoi, cette histoire. Quoi, comment ça, c'était n'importe quoi ? Tu veux, je te chie sur le... Non, c'était n'importe quoi, monsieur. Respectez la loi, s'il vous plaît. Respectez la loi. Tout va bien, toi. Comment ça ? C'est le 8770, monsieur. Pourquoi vous mettiez votre mallette à votre oreille il y a quelque chose de différent, là ? Parce qu'il connaît la loi et on vous pose pas de questions, monsieur. La personne ne me répond pas, monsieur. Il n'y a pas de question. Bah, merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci beaucoup de votre temps et de votre gentillesse. Pas de soucis, monsieur. Vous avez votre prisonnier qui s'est évadé, monsieur. Comment ça, je suis le concierge. Autant pour nous. Est-ce que vous allez m'écouter ou quoi ? Oui, on vous écoute, monsieur, on vous écoute. Oui, mais les mots sont durs, monsieur. Les mots ? Oui, les mots sont aussi durs que le gros barreau de la justice, monsieur. Oh, respectez mon autorité, ok ? Oui, mais il faut... Parlez maintenant, s'il vous plaît. On essaye, on donne tout, monsieur. Hein, croyez-moi, on fait notre effort le plus important. Ok, vous êtes prêts à vous endormir debout, les gars ? Allez-y. Le FBI m'a arnaqué, point. Allô ? Oui ? Oui. J'ai une question. Vous savez, monsieur, si je peux me permettre l'expression, comme on dit au cabinet d'avocat, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et en fait, cet enfant, il m'a donné un faux numéro la dernière fois. Oui, bien sûr. De qui il vous a donné un faux numéro, monsieur ? Lui ? Non, il vous a donné un bon numéro. D'accord, mais je... Et on a plusieurs téléphones, monsieur. On fait ça tout de suite. Attends, j'essaie de l'appeler. Non, on a plusieurs téléphones, monsieur. C'est bon, on a reçu l'appel, on peut y aller. On a reçu l'appel de quoi ? L'appel téléphonique, mon cher Cooper. Oui, mais l'appel téléphonique de quoi, monsieur Sterling ? Mais par rapport à notre rendez-vous, Cooper. Mais quel rendez-vous, monsieur ? Le rendez-vous de suite à l'appel téléphonique. Oui, ce rendez-vous-là. Oui, ce rendez-vous-là. Oui, vous voulez qu'on parle peut-être, bon, Sterling. Attendez, juste deux petites minutes, j'arrive. Mais dites-moi, Sterling. Non. Bon, je rentre le balai dans le cul à qui ? À la justice. À la justice. Il est où le juge que je vais foucher dans le champ ? Il est au gouvernement, monsieur. Ok, on y va ensemble ? Écoutez, partez d'avant et on vous rejoint, monsieur. Oui, on vous rejoint pour qu'on fasse nos last. Oui, mais vous égarez. Écoutez, monsieur, on va vous laisser faire votre travail. J'ai lu la Bible 5 fois. Faut que j'aille à la supérette chercher de Oui, oh bah dis donc, il faut que t'ailles à la supérette chercher une canette à $250. Allons-y. Oui, c'est comme si c'était. J'allais vous offrir. Attends, parce que si on peut gratter $250. Ah, j'en vois chier, c'est con. Oui, allez, offrez-nous une canette comme vous vouliez, monsieur. Non, bah j'en ai plus. C'est bien dommage, monsieur. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Ça va, mon petit Sterling ? Oui, ça va. C'était qui au téléphone, dis-moi ? Personne, il y avait personne au téléphone. Eh ben tu simules bien, dis donc. Ce qui était dur, c'était qu'il m'appelait en même temps et je devais ignorer l'énorme sonnerie de téléphone. C'était pas facile. Ah oui, d'accord, il croyait que tu lui avais donné un faux numéro. Oui. Bon, allez, mets-nous un petit parking central et je te propose qu'on se donne rendez-vous ailleurs. Nous reviendrons peut-être dans la soirée. Peut-être que oui. Mais je pense que c'est un bon. Je pense que c'est un bon, Sterling. Allez, venez à l'abri, Sterling. Très précis. Bon, c'est encore une affaire bien élucidée. Est-ce que tu as bien reçu par mail J'ai rien reçu par mail. C'est embêtant. Il faudrait que tu appelles le juge et qu'il se dépêche. Non, mais je pense qu'il va le faire. Je pense pas que dans cette ville, il soit sérieux. Bon, mon cher Sterling, je te fais un petit bisou et je te dis peut-être à dans la nuit, je te tiens au courant. Oui, voilà. Voilà, bisous.